pas très causant, celui-là. Il a l'air d'y tenir beaucoup, à ce poisson. Excuse-moi, comment t'appelles-tu ? Oui, mon commandant. Hé, bon sang, qui tu es ? Laisse-moi seul. Un vieil homme peut pas se reposer près de son bateau ? D'où vient cette horrible musique ? Hein ? Arrête de me parler. J'ai besoin de cuver la gueule de bois de ma perme. On dirait un médecin. Qu'est-ce qu'il écrit ? Bonjour, vous devez être le docteur Morgan. Oh, on pensait t'avoir perdu dans l'incendie, Max. Où étais-tu ? J'étais ailleurs, un moment. Heureux que tu sois sain et sauf, Max. Mais tu te mets dans de sales draps chaque fois que tu pars ailleurs. Je t'ai déjà dit qu'il faut que tu restes sous contrôle si tu veux aller bien. Je suis pas parti ailleurs dans ma tête, docteur Morgan. J'étais dans un véritable endroit, une petite ville avec des enfants qui étaient vrais. Allons, Max, ne t'excite pas. Je peux demander aux aides-infirmiers de t'enfermer si c'est nécessaire. Est-ce nécessaire, Max ? Non, ça va. Je veux aller bien, docteur, mais j'ai tellement de pensées étranges, de questions sans réponse. La curiosité est une bonne chose, Max. J'aimerais avoir des réponses pour toi. Peut-être qu'on peut parler plus tard, après mon travail. Quel incendie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le générateur a explosé. Dommage pour tous ceux qui étaient dans la tour. On n'a pu en sauver que certains. Certains ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu comprends pas, Max ? Le feu a détruit toutes les cellules dans la tour, tous ceux qui s'y trouvaient. Tu as de la chance d'être vivant. Les gens n'ont pas l'air inquiets. Quelqu'un sait pourquoi le générateur a explosé ? On n'a pas encore trouvé la cause, mais on est surtout concerné par tous les patients. Pour l'instant, on essaie de maintenir chacun calme et gentil. On ne veut pas les affoler par des choses dérangeantes, n'est-ce pas ? Non, sûrement pas. Et qu'est-ce que vous notez, docteur ? Je dirige une expérience. Les effets de différents genres de musique sur tous les patients. Une vieille pièce détachée, mais elle semble en état de fonctionner. Un disque. Dansons le rockabilly. Un disque. Belladonna en ut majeur. Un disque. Ballade du capitaine Dick. Un disque. Un disque. Dansons le rockabilly. Vive le King! Un disque. Un disque. Ballade du capitaine Dick. J'espère qu'il va seulement danser avec le poisson. Un disque. Belladonna en ut majeur. Très dérangeant, mais je peux pas m'empêcher de regarder. Qu'est-ce que tu penses du disque qu'on entend ? J'adore ! Elle me rend irée ! Elle me rappelle Fais ma femme, Evelyne ! Oh, pardon. Elle te manque ? Me manque ! Ha !
cette vieille mégère. Je suis aux anges qu'elle soit morte avant moi. Ah ah, voilà ce que Skippy cachait sous son tutu. Un symbole sacré. Un symbole sacré. J'ai retrouvé votre symbole perdu, prêcheur. Qu'est-ce que c'est? Louons le Seigneur, en effet. Louons le Seigneur. Avance, mon fils. Pour avoir accompli un miracle par ces temps maudits, je te fais Saint Max de la maison de Bob. Voici ton bâton de justice. Prends appui sur lui en marchant sur le chemin de Dieu. Alléluia! Merci, je vais... Je m'en servirai pour le bien de l'humanité. Alléluia! Amen! Une boîte de commande pour ces lignes d'eau. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Un vieux balai. C'est le foutoir là-dedans. Ces tuyaux, ils doivent réguler le flot d'eau de la fontaine. Tellement plus belle quand elle est pleine. J'ai arrangé ta fontaine, Crystal. Ton ami est revenu? Oh oui, je suis si heureuse. Krag est revenu. Tu le vois pas? Tu le trouves pas magnifique? La réflexion bouge. Ah, mon esprit est sec. Je ne te connais pas, monsieur, mais je te remercie. Quel est ton vœu le plus cher? Je souhaite pouvoir revoir ma sœur. Max? Sarah aimerait te voir maintenant.
ça va mieux? Je crois pas que je vais pouvoir aller au cirque cette année. On ira plus tard. Tu peux me rendre service, Max? Ma poupée, celle que papa a gagnée pour moi au cirque l'an dernier. Monsieur Clown, tu peux me la porter? C'est dans la boîte à jouets. Oh oui, bien sûr. Où c'est? Où c'est? Je la trouve pas, Sarah, je la trouve pas. Je la trouve pas.